Mélodie, oh mélodie, tu m'inspires toutes ces vibes, mes joies, mes agonies. Et c'est promis, oh c'est promis, je te ferai chanter toutes les nuits. Ma jolie, oh ma jolie, tu fais vibrer mon monde par ton sourire, ta folie. Et j'ai envie de t'avoir près de moi toute la vie. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables, mais je ferai tout pour nous protéger. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables, et je ferai tout pour nous protéger. Avec faire ma vie avec toi. Ma chérie, tu peux te perdre dans mes bras, je prendrai soin de toi. Et je t'en prie, oh je t'en prie, profitons sans interdit. Mon paradis, t'as fait de ma vie un rêve, un soleil, son jour de pluie. C'est envie, je resterai près de toi toute la vie. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables, et je ferai tout pour nous protéger. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables, et je ferai tout pour nous protéger. Avec toi, seulement toi, pas une autre, pas une autre, pas une autre, seulement toi, seulement toi, car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables. Faire ma vie avec toi. Faire ma vie avec. Faire ma vie avec. Faire ma vie avec toi. Avec toi. Avec toi. Accueillons chaleureusement sous vos acclamations Madame Sassana Mertadiga, assistée de Madame Élise Anglais. Avant que je commence, j'aimerais pas que vous passionniez pour votre Keolia. Encore. Demoiselle au bord de l'avion, l'ange que l'on y a. Nous sommes réunis bar A5 en 5, bar 744, bar HMY, bar SC, bar 2019. Passeport numéro 0P. 03-79 Cambon, Mathilde, de nationalité également gabonaise. Monsieur Lucas Mpandou et Mademoiselle Obor, au bien l'ange Keolia, ont fourni au service consulaire le certificat de non-opposition obtenu après publication des bons
les attestations sur l'honneur. C'est ça quand même. Parce que je regarde, il y a des visages qui ont l'air un peu, quand il se pourra que les changements soient intervenus entre temps, on ne sait jamais. Hein. Non. Mais c'est pas pour un qui a dit ça. C'est vrai. Mais, là, c'est toi, c'est genre peut-être que M. Bandou peut. À l'instant de changer. Je suis tout dit non, donc M. Bandou peut dire non. Et au régime de la séparation des biens. Monsieur Lucas Pandou, maintenez-vous devant cette assemblée votre renonciation à la polygamie et au régime de la séparation des biens? Oui, je le maintiens. La polygamie et au régime de la séparation des biens? Bien sûr. Ça résonne encore. 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. Consentez-vous définitivement à prendre pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Obon, ou bien l'ange et Olia ici présente? Oui, je le veux. C'est un jour heureux aujourd'hui, monsieur Bandou. Après combien d'années? 10 ans. C'est ça? C'est pas 10 mois ni 10 jours. Hein? Monsieur Lucanou Bandou, consentez-vous définitivement à prendre pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Obon Obion Lange Keolia? Oui, je le veux. Bien. Moi, j'ai besoin de ce cri là, le cri d'une bonne femme, d'une bonne panouine. Mademoiselle Obon Obion Lange Keolia, consentez-vous définitivement à prendre pour époux, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Lucanou Bandou ici présent? Oui, je le veux. Yeah! Comme vous l'avez tous entendu, les futurs époux viennent d'exprimer solennellement leur consentement mutuel à contracter le mariage. En conséquence, leurs volontés seront consignées dans l'acte juridique qui attestera ce mariage assorti de leur option et régime matrimonial. C'est bien, c'est une innovation, c'est M. Bandou lui-même qui a... D'accord. Ok. Alors, nous avons souvent pour habitude de laisser exprimer le cœur des futurs époux. Donc, M. Bandou, lorsque vous allez faire sceller votre alliance sur le doigt de mademoiselle Obon, vous allez prononcer les vœux qui vous sortent tout droit de votre cœur. En scellant, vous allez répéter, vous allez le dire. Vous allez exprimer haut et fort. Comme un bon Congolais que je sais. Donc, Monsieur Pandou, vous allez commencer.
qui prend le bouquet. Bon, je n'avais pas prévu de discours en particulier. J'avais dit que je vais m'exprimer en fonction de ce que je vais ressentir. Exactement. Et ce que je peux dire, c'est que le jour où nous sommes rencontrés, la première fois, c'était en avril 2010. Dès que je t'avais vu, je savais que tu serais la femme de ma vie. C'est pour ça que je n'avais pas lâché. Et je t'avais promis que un jour je t'honorerai. C'est vrai que nous avons passé plusieurs moments, des moments très très difficiles où tu m'as supporté, tu étais là, même dans les moments où j'étais au plus bas. Tu as su trouver les mots pour me réconforter, pour pouvoir me booster, pour que je puisse partir de l'avant, notamment lorsque j'avais perdu mon papa. Moi, j'ai toujours voulu, c'était ça mon rêve, que la femme que je vais épouser, c'est celle avec qui je vais vivre tous les moments les plus difficiles et les moments les plus joyeux. Et c'est ce qui est arrivé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je te fais ma femme. Bien. que j'avais, puisqu'aujourd'hui je suis chrétienne, née de nouveau. Donc tu m'as connue étant païenne et tu me connais aujourd'hui comme une chrétienne. Donc tu m'as connue sur les deux justes niveaux. Donc malgré ce mauvais caractère que j'avais, malgré tout, j'ai trouvé en toi la patience, beaucoup d'amour. À chaque fois que j'ai traversé des moments difficiles, tu étais toujours présent. Même au niveau, c'est-à-dire de ma propre famille, tu étais toujours présent, tu ne t'es jamais lassé. Donc aujourd'hui, je dis, je m'engage à vieillir et à mourir avec toi. S'engage à mourir avec monsieur Pandou. Comme c'est beau. Désormais que Olia n'est plus gabonaise. Ouais, j'accepte.
Alors, l'étape du passage des alliances vient d'être terminée. Alors que j'étais pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix. Nami tunani ni na sala, na yebite, tu trouves tes raisons en toi-même. Nazo koka te kobomba, te moyo et matina mote manangai. Yo tika kinga ite, yo loba kinangai, amo simba elikia. Tombola bengai, kole kama kanisi, nanga le plus fou. Quand tu chuchotes à mes oreilles, na yo kaka ngoneti, vraiment na bimi ma papou. Histoire na biso d'amour, et konsi la le lote, si na éternité. Oh. Tiens, tu m'appartiens, échange à terre, fais qu'on s'y la wateo. Amour na yo, elle est qui doux, ma faute en zoï, et qu'on pousse à la terre. Yo, kota tina mi koua, yo, satura ba pense nan gagnon son. Yo, tika ki nga ite, yo, lo ba ki nanga, amour simba elikia. Yo, tombo la pengaï. Collega Makani, si nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles, Nayo Kakanetti. Nous te rendons la gloire, l'honneur pour ces moments que tu rends possibles. Nous te rendons la gloire pour l'union de Junior et l'ange. Nous prions que tu bénisses leur union, leur foyer. Frère, que dès que nous passons sur ces moments de dégustation, ces moments de festin, que je te souviens de ceux-là qui n'ont pas de boisson. Merci. Nous prions Dieu de gloire que leur maison ne manque jamais de rien. Cette maison qui ne manque jamais de rien. Bénis soit Jésus. Amen, frère. Amen. Amen.
yo tombo langai. Jésus, notre amour, Jésus, notre amoureux, Bolingwa Motema.